Scandaleusement, c'est les dents. Je suis plutôt content du dégradé là. Le seul hic. Et que je n'ai jamais fait de tir. Je vais jamais m'en sortir. Attention là, ça va faire mal. Ça va vraiment marcher. Attends. Oh. Du coup là on est à Hendaye. On n'est pas à Saint-Sébastien. Parce que Saint-Sébastien c'était trop galère. Du coup là, on va surfer à Hendaye. Il y a beaucoup de peuple. Je prends pas la caméra. Ah putain mais oui tu fous. Je croyais que je parlais à... Je croyais que je parlais tout seul. Tu pensais que je parlais au Volkswagen devant moi? Oui. Y'a du monde, je prends pas la caméra, on va faire deux sessions aujourd'hui, je la prendrai tout à l'heure. Ouais, on va croire qu'il y aura moins de monde. Let's go. Oui, move. Un évo-choc ? Oui. Toujours les évo-chocs. On est revenu du surf, et c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à commencer à me lever, donc c'est pas mal. Content. Je me suis senti mieux, j'arrive à prendre les vagues. Enfin, les mousses. Les vagues, pas de ouf. J'arrive à prendre les mousses. Là, je me suis levé quelques fois. Il y a une fois où j'ai bien réussi à rester sur la planche. J'ai une requête assez spéciale de la part de Robin. Bon, tu fais la cuisine aujourd'hui. Donc, Il veut un Captain Rondo, comme on dit un choco, à la sauce burger. Donc, on va préparer ça. Je vous l'avoue que je trouve pas que c'est une idée de dingue. Ok. Sauce burger. Oh, t'as un peu dosé là. Non mais déjà c'est honteux de faire ça. Bah ouais franchement moi ça me dégueulasse pas. Hein. Ça me chauffe carrément. En plus tu l'as bien fait. Je vais montrer ça au gars. Ah ouais. Non mais attends, c'est la sauce burger. Bah ouais mec c'est bon. Juste à la fin où c'est spé. Mais au début ça va. C'est spé tout le long. En fait, c'est des goûts qui n'ont rien à voir. Alors ça va. Pourquoi tu veux que personne voit ça? Je veux que ça reste le plus discret possible. Je veux pas que tu vois quand il fait le ménage ou la vaisselle. Ou autre chose. C'est si rare, c'est pour ça, c'est rare ou... Non, parce que je l'ai fait trop, du coup, les gens vont me prendre pour un chien. C'est ça. Je suis obligé de m'appliquer comme un chef. Ouais, il reste pas beaucoup de gras là. Je mets où les assiettes là? À fondre. Bah par terre ici. Sur les égouttoirs, juste là. Toi, tu peux le mettre. Sur les égouttoirs? Ouais, juste là. Il joue où Isaac Toré, Coups? Je connais pas du tout. Donc, c'est Montpellier, non? Non, Poups, il a dit, il joue au FC. Je sais pas du tout. Du coup, le FC, je connais pas du tout, là, je veux compris derrière moi. Bah, le FC Chibrax. Il a fait le Chibrax et. Ils ont perdu contre. Combien 2-1 contre. 2-0. La capote noire. FC capote noire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils ont pris 2-0, c'est pour ça que tu veux dire. Ouais, ils ont pris 2-0. Ouais. Ils sont combien en classement, là, le FC capote noire? 69ème. Dernier du classement. C'est la dernière fois qu'ils ont joué contre FC dégradé à blanc, ça là. Oh, tu veux que je te rase la tête d'ailleurs? Du coup, je te passe ça là en speed. On va faire un sondage avec tout le monde. Non, mais oui, quand tu fasses la vidéo. Non, mais pas avec les gens de la vidéo. Personne regarde ça. Est-ce que je me rase la tête? Oui. Est-ce que je me rase moi, la tête? Moi, je te le fais. Non, mais oui ou non? Bah oui. Est-ce que je me rase la tête ou tu veux que je reste avec ma tête moi, d'arménien? Moi je dirais, ouais, grosse tête d'arménien, j'aime bien. Lui il veut que je reste avec ma tête d'arménien. Ah, putain, et moi je sais pas. Il y a qui?
qui a dit tu gardes tu as... Thomas il a dit enlève. Poups il a dit enlève. Techniquement on est deux contre un. Tu vas être chaud mais ça va être dégueulasse. Bah mon avis compte. Bah non du coup. Non le tien non. Allez. Bon bah on rase. Donc sur un sel en plus là on est pas trop mal. Putain. Ouais du coup tu me fais un beau dégradé en fondu. Tu me le fais dégradé haut. Bah tu connais. Toi on fait un dégradé en speed après on rase tout. Ouais. Attends, speed après on rase tout. Et bien des choses qu'il faudrait raser son pull. Non. On pull, on touche pas, on pull. C'est ça qu'il faut raser tout. Non, on rasera pas mon pull. Ça, tu pourras le garder. Pourquoi comme c'est quoi. Tu peux le garder pour le prendre cet hiver. Bonjour. Madame, vous faites couper après. Bah réponds-moi non. Salut, merci. Ah, merci. Ouais, je trouve que tu fais ça bien, chef. Merde, là, c'est... Ah, merde. Bah, ouais, bah, il faut beau se barrer. Hein, ouais. Bah, chef. Ah, désolé, maman, je fais n'importe quoi avec ce que t'as créé. Bon, ça commence à prendre forme, là. Hein. Je suis plutôt content du dégradé, là. Moi, j'aime bien, franchement, ça me plaît. Hein. Ça compte beaucoup trop à piquer. Hein. C'est vrai que tu regardes ailleurs, quoi, tu piques. Bon. Comment dire. On va finir la coupe après. Donc là on va laisser surfer. Et puis on finira tout ça après. Ça bombarde. Allez, vite. J'ai passé un petit coup de chiffon par terre, j'ai remis les tapis.
Attends, mais t'avais... J'ai chié. Mais... J'ai attends. Chié un étron, pote. Ah, vous avez fait une bonne session. Ah ouais, ouais, il m'a dit que t'avais pris une vague de baisers. Mais faut que tu prennes ta caméra toi, que tu fasses des plans. Demain, je l'apprends. Ça va Thomas? Eh, écoute, superbe. C'est vrai? J'ai bien l'espagnol. Est-ce que tu peux l'imiter s'il te plaît? Juste quand il dit je prends la vague. Il a dit putain de la maman. Après qu'on soit fait défoncer. Ah, c'est vrai? Dans le immense. Ah ouais? Et le mec, c'est 3 mètres je pense. 3 mètres, ou le truc, je veux le canard. Pff, ouais, si on arrive en face de lui à la deuxième. Mais elles étaient proches les vagues des fois. Hein. Deuxième, on était 3. Tu vois les planches là. Ça m'a cassé juste devant. J'ai fait le canard. Et sous l'eau, ah ouais. Tu t'es fait tirer. Pendant, je sais pas, 5-6. Ah ouais, au moment où t'es dans la machine à laver là. Peur, peur, peur. La peur. On est en train d'essayer de finir ça, mais apparemment ça paraît compliqué. C'est ça que t'es en train de me dire? Trop de cheveux dedans. C'est que je vais devoir rester 8 jours comme ça. Je vais devoir acheter une tondeuse de chez Lidl. Bordel. Ouh. Miaou. Ouf. J'aime bien quand tu me caresses. Ouais, les papouilles. Ça fait vraiment mal en plus. Ça me fait trop mal, frère. Je cherche pas, ça sert à rien. Non. En vrai, là, c'est fini, là. Franchement, si on te regarde comme ça, ça passe crème. Juste, tu viens là, ça passe plus crème du tout. Bon, elle est finie, la coupe. 10 balles. Merci, chef. Putain, j'ai le seum, les gars, je vais devoir rester comme ça. Yes. Grosse galère aujourd'hui, j'ai failli perdre la GoPro, je l'ai oublié sur le banc derrière. Et je m'aperçois que je l'ai oublié, je reviens. Elle est plus là, je fais le tour, je viens jusqu'à ici. Je vois personne, je demande à des gens, personne. Les gars ils reviennent, Thomas il me dit, va voir la meuf là-bas, elle paraît louche. Et une daronne de 60 piges frère, qui avait pété... Insoupçonnable. Insoupçonnable, hein. Franchement c'est vraiment le genre de personne, tu te dis pas qu'elle a pété un truc. Et elle me dit, ah ben regardez dans mon sac, c'est pas ça que vous cherchez. J'allais le ramener au resto là et tout. Bon là j'allais jamais le ramener au resto. Grosse mytho. Attends, ça pue bien la merde là, tu trouves pas? Encore une bonne idée. Une caméra. Et du coup j'ai failli perdre la GoPro. Et en plus tout à l'heure, j'ai failli perdre la carte SD. Une des cartes SD avec tous les rushs. J'ai cru que je l'avais perdu, je l'avais juste... Je l'avais juste glissé dans un mauvais endroit. Donc aujourd'hui, on a failli perdre la GoPro et tous les rushs. Toi, t'as les muscles là. Muscles du surfeur. Et t'as la belle chatte de Dieu. Ça te régale, toi, quand je parle de sexe. Ça finit sa coupe, il est demain. Quelle coupe? T'as dit que t'avais fini. Voilà, j'avais fini. On va peut-être qu'on lui finisse sa coupe à lui aussi. Ouais, de ouf. Bon, allez, déjà. Je aussi. En fait, qu'on la commence, du coup, ma coupe. Ouais, tu pourras commander le même pull, s'il te plaît. Tu vas chez Poulenbier. Poulenbier. On va dormir, là? Ah ouais, donc là, tout le monde va aller dormir, là. Et qui a mis sur sa liste à aller se brosser les dents? J'ai l'impression que personne, là. Si. Non. Putain, mais pourquoi t'en as parlé? Mais mon père il voulait un tonneau comme ça. Il reste de la place dans le... Et si je lui ramenais ça, comment il serait trop... Mais il est plein gros.
Ah, c'est qui l'assassin qui a fait ça? Eh les gars, les gars. Mais tu sais quoi, j'ai même pas besoin de demander. Lucas, pourquoi t'as mis ta bière derrière le tonneau? J'étais sûr. Quoi? J'étais sûr. J'ai dit c'est qui, j'ai dit j'ai pas besoin de demander, c'est toi. Passe au confessionnal, pourquoi tu pollues comme ça? Je pollue pas, j'adore. J'adore polluer. Je pollue pas, il range. Il rend à la nature ce que, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a créé. Parce qu'en soi, c'est la même nature. C'est bon? Bah, le vert, c'est du sable. Attends, le vert, c'est du sable, la bière, c'est des céleres. C'est, de c'est, c'est vrai? Sinon, rien, on le met comme ça. Et viens, on essaye. On l'a fait des l'épreuve. Est-ce qu'il y en a? Non, mais excuse-toi. Excuse-toi, la nature. Bah, en soi, c'est un bouchon de bière, ça vient aussi de la terre. Hein, mais oui, de toute façon, mes frères, je rends juste à la nature ce qui appartient à la nature. C'est nous, à la base, on a du pétrole et on en fait n'importe quoi. Il a réglé tous les problèmes, mec, d'écologie de la planète. Des fois, j'y pense, je me dis, mais gros, comment on en est arrivé là, avoir des trucs tout petits électroniques, des cartes SD comme ça, alors qu'à la base, t'as un, arbre, un arbre, des champs, feuilles, ouais. Des montagnes comme il y avait là-bas. Tu vois, Minecraft, c'est ça, l'eau. En fait. C'est Minecraft. C'est bon, bah, la morale de cette histoire et de cette soirée, c'est... Tu peux mettre ta bouteille derrière un tonneau, ça risque rien. Rien ne t'appartient, tout est à la planète. Non, je dirais plus que tu peux mettre ta bouteille de bière derrière un tonneau en pleine nature. Parce que la vie, c'est Minecraft. Est-ce que moi, j'ai une petite question pour la morale? Scandaleusement, c'est les dents. Je sais pas. Jamais. C'est pas bon pour les dents, ce bordel. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je suis tranquille dans le pieu, frère, moi c'est yep. Oh les gros pieds noirs. Putain. Tu t'es brossé les dents ou pas? Non man. Tu comptes le faire? Non. Clairement pas. Tu as brossé les dents toi? Tu vas le faire toi? Bah si tu le fais, je le fais. Tiens, je brosse les dents. Allez. Quoi? Il va vraiment le faire. Je suis pas un pied. Il a dit je suis pas un pied noir. T'es non. Quoi alors? Moi je suis un petit fils de pied noir. C'est vrai? Raconte-nous ton histoire. Bah pas plus jaloux, je suis un pied noir. Ah ouais? En fait, il y a vraiment que Poops qui est pur français. Mais il arrive à nous supporter parce qu'on est à peu près de l'Europe ou des Dom-Tom. Si je dis à Poops, ton grand-père il a fait que la chérie, tout ça, si vous me tuez, c'est bon. Il va plus te fréquenter. Quoi? Ton papy il est né à Oran. Fils de pute, sort de mon lit. Regarde comment il se gratte les couilles, oh. C'est comme ça. Il se gratte le trou. C'est pas un slip petit bateau, c'est un slip gros, pas de beau. Bonne nuit. Bonne nuit, après bonne nuit. Mais Lucas, arrête d'être Zaref. Yo man. Ça réveille. Troisième jour, troisième matin. Là, on va surfer à Saint-Jean-de-Luz comme hier. Pas du tout. On va surfer à Hendaye. À Hendaye comme hier. On est à Hendaye là. On est à Hendaye. Avant-hier on était à Saint-Jean-de-Luz. T'as eu ton café? Non. Ouais, c'est pour ça, mais il a pas eu son café. Ah ouais. Non, mais. J'ai compris un film. Oui. Oui. Bientôt ça. C'est le 7, hein.